Hey tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve pour l'épisode 7 de Separate Ways. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes bien installés. Comme d'habitude, on est parti pour une bonne grosse demi-heure ensemble. Allez vous chercher un petit truc à boostifier, un petit truc à boire. Mettez-vous dans l'ambiance, mettez-vous à l'aise. Et comme d'habitude, je m'occupe du reste. Alors, on avait acheté un lance rocket et on nous avait parlé d'un certain boss à qui on devait exploser le tronche. Donc, on est parti et on va voir ce que ça donne. Graou, graou. Et graou, graou, joli timbre de voix, monsieur. Bel organe. Paf. Ok. Ah, je vois où on est juste au-dessus de l'arène dans laquelle Léon et Louis se battaient contre les deux L gigantes. Très bien. Il faut que j'abatte cette créature. C'est ça. Amène-toi. Voilà, ici ça ira. Il est temps qu'on en finisse. Mais c'est super stylé! Vous le reconnaissez ou pas? Ok, je commence déjà à me faire rouster ma race. C'est le boss qu'on n'a pas eu... Oh, ça va être dur. C'est le boss qu'on n'a pas eu avec Léon, dans l'histoire de base, qui était présent dans le jeu original. Le U3, je pense qu'il s'appelle. Et donc là, on nous dit que le U3, bah, c'est le deuxième bras droit. Je sais pas si c'était le cas à l'époque, j'ai pas l'impression. Ok, je commence à trouver les touches. Ok, ça, on m'a pas proposé de l'éviter. On va s'en sortir, ça va le faire, vous tracassez pas. Il est stylé, hein. Il est trop, trop bien. J'hésite pour le lance-roquette, mais en vrai, je vais essayer de le faire sans. Et si jamais il me met trop dans la bouse, on lui claquera une petite roquette dans le pif. Est-ce qu'on peut ? Ah, bien. Mince, j'aurais peut-être dû... Là, je vais en profiter. Hop. C'est tout. Juste un petit coup de pied. Tu fais pas d'effort. Oh, fais pas la maline, toi. Je sais pas si ça lui fait beaucoup de dégâts, hein, ça. Juste un coup de tatane. Il est pas content, en tout cas. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va encore se dédoubler, l'enfoiré. Parce que s'il se dédouble en étant comme ça, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il me canarde des explosifs, hein. Quelle souplesse! Ah, je peux utiliser ses propres trucs contre lui, peut-être. Non, j'ai pas l'impression que ça lui fasse des dégâts. Hein. Mais ça, je sais pas comment l'éviter, par contre. Hein. C'est pas grave, on va le cutter, hein, comme d'hab. Si c'est comme dans l'original, il sera en deux étapes. Donc c'est pour ça aussi, je garde le lance-roquette, on sait jamais. Si jamais il y a une deuxième étape, à la limite, je lui claquerai dans le pif. Parce que là, je pense que si on arrive à le battre, ce sera pour de bon. Pas bouger, le terrain est miné. Ok, j'ai failli lui mettre à côté. Ah, évidemment, je fonce dedans. Ah, brutique, ça. Hop, des soins de la ferraille. Waouh, il fait mal, hein, le coco. Bon. On n'a pas beaucoup de soins, ça pue du cul, hein, si vous voulez mon avis. Mais bon, on va y arriver. Ah, bon.
Quelques petits coups de Red Nine, bien placés dans les chicots. Hop là! Très bien. J'aime beaucoup ce combat. Je suis très concentré, vous l'entendez, je pense. Oui, graou, graou, graou. Ok. Ah, c'est tout. Un peu fade. Barrette de la gouvernante. Ok. Ok, j'ai trop ouvert ma gueule. C'était sûr. Oh, je sens que ça va être chouette, ça. Bon, C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Ouais, écoutez, je vais essayer de péter tous les tonneaux sans me faire arracher ma race. Hop, des soins, ça c'est bien. Je vais essayer de tout récupérer déjà avant de commencer à l'attaquer. De la ferraille, on va pouvoir faire quelques petits trucs. On va fabriquer. Oui, mais bon, tu craques là. On va faire un triple alors. Oui, mais sérieux, bon, on va créer des choses. On va utiliser ça, comme ça on se remet la vie à fond. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Ok, je pense qu'on a tout, tout récupéré. Ah non, je mens. Ah, j'ai vu son point faible. Il lâche toujours des mines. Et là, il peut rentrer sous le sable. J'hésite avec le lance-roquette, mais on va essayer de faire ça de manière régulière. Ok, on peut en faire plein, plein, plein. Ça, ça va être bien. Des munitions de Red Nine. Hein. Ça le fera toujours bien. Et là, on est pas mal. C'est miné, hein. Ok, il en pose absolument partout. Ah, et elle pète à retardement, celle-là. J'ai pas l'impression que ça lui fasse beaucoup de dégâts comme ça. Là. T'aimes pas, hein, ça ? Salaud. Ah, je ne sais pas viser, c'est une catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Lui, il vise très bien, par contre. Aïe, 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 c'est nul. Au secours. Je les mets tout à côté, c'est une catastrophe. Ouais, bah bien sûr. Sinon, c'est pas drôle, hein. Et le pire, c'est que je crois que j'ai plus de soins après ça. Ok. Je te laisserai pas te tirer. Très bien. Toujours là. Bah oui, toujours là, cocotte. Quelle idée, il allait pas partir, hein. Oh non, sérieusement? Mais c'est pas du jeu, ça. Bon, heureusement, une balle a l'air de suffire. Il va falloir me looter du soin, là. Hein, si vous voulez que ça dure longtemps. Il vole, carrément. Ok. Wouah. Ok, alors c'est bien tout ça, hein, mais il me faut du soin, vraiment. Ah, je l'ai loupé.
Waouh, je suis dans une merde noire. Hey, vous savez quoi? Fini de rigoler. Je vais lui mettre une roquette dans le pif. Faut pas le louper, hein. Voilà! Tout doux, loulou. Ah oui, pratique. Bon, il faut que je retrouve Louis. Ça, c'est très très bien. Je suis dans un état catastrophique. Dans un état proche de l'Iowa, n'est-ce pas? Donc on n'est plus infecté, c'est ça qu'on avait lu sur une lettre il y a quelques épisodes, qu'il fallait tuer l'hôte, enfin pas l'hôte mais le chef, entre guillemets. Drelin. L'enfoiré, Krauser, vient de me piquer l'ombre. Et on se bat avec lui. J'arrive. Oh merde. On nous fait revivre ça! Désolé, je crois que je vais pas m'en sortir. Non! Je t'envoie mes notes. Elles seront utiles. L'ambre, Louis, il est où? Mais ta gueule, toi! De m'avoir aidé à me racheter. Mais qu'est-ce que tu dis? Merci, Ada. Tu sais, au fond, c'est cool d'être un bon samaritain. Par où je dois aller? Essaie d'aider Léon quand je serai plus là, ok? Justement. On dirait qu'il a besoin de moi. Léon ! Scrognogneux ! Par où je dois aller ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Petit tir au pigeon. Ah mais il y en a beaucoup hein. Mais ça loot rien, donc en fait j'utilise juste les balles pour rien. Par contre j'ai pas compris. Ah voilà. Je pouvais pas y aller avant. J'aimerais beaucoup des soins parce que là je me prends une claque, je suis à terre quoi. Je t'ai vu, l'eus tu cru. Paf. Ah ils sont beaucoup hein. Ils sont beaucoup. Et je préfère quand même les éliminer à l'avance parce qu'on sait jamais qu'ils m'arrivent tous dessus. Ah, du soin s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai été sage. Parfait. Bon, c'est pas grand chose, mais ça fera l'affaire pour le moment. D'accord, on peut rien fabriquer. Allez. Parfait. Ok. Donc a priori on va rejoindre l'endroit du combat entre Léon et Krauser, normalement. Puis normalement il y avait un combat avec Krauser hein, dans le DLC de base. J'espère qu'il y sera, j'aimais beaucoup ça. Ou alors je dis n'importe quoi, c'était dans Assignement Eida. Mais pour moi c'était dans le DLC. Louis, les adieux devront attendre. Pas la peine de courir.
Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. Bien. On entrera 11h. Ah. Bon, ça sent bon pour le combat dont je vous parle, hein, ceci dit. Bon, on va monter là-haut, y a pas trop le choix. J'adore. Le jeu est beau. Ok, donc on arrive dans la tour. Y'a des croas. Y'a des croas. Mais bon, on va leur foutre la paix. On va juste monter. Puisque de toute façon, y'a pas autre chose à faire. Ok. Ouais, mais donnez-moi du soin, les gars, que je puisse me remettre à fond, ce serait chouette. Attendez, je le savais. Je l'ai senti. Bah voilà. Bon, c'est pas mal. Bien. On va refaire des munitions de TMP. Et on est pas mal. Ça se présente mal. Quoi donc? Hop. Ah bah voilà. Là on est à fond. Nickel. Objectif intermédiaire, d'accord. Comment il peut déjà être là-bas? Bah il est rapide, hein, le filou. Alors, wait. Plaît-il? Voilà. Il va la fermer un peu sa tronche. Ferraille. Ferraille G. Alors, est-ce qu'on n'a pas des petits trucs Non, c'est de là que je viens, qu'est-ce que je fais? Ah non. Une échelle en jaune, donc c'est forcément par là qu'on doit aller. Ah. Matarla. Meurs, petit bousin. Ah si, si, c'est très possible, crois-moi. Hop là, j'ai trop ouvert ma gueule. Et voilà. Couteau de botte, ça c'est bien. Poc poc. J'observe, hein. Bon. Une roue. Un volant. Je sais pas du tout ce que ça fait, mais on va le faire. Ah, ça ouvre ça. Oui. Ah, ça redescend. D'accord. Il va falloir courir. Abandono. Je trace, hein. Je suis pas sûr qu'il me touchait. Mais bon, on va dire que si. Ciao l'artiste. Ah, il nous a bien fait mal encore. On a toujours pas de soin. Ah, mon pote. Mon pote au sûr. J'ai un œil, quelque chose. Ces maudits insectes géants, il y en a trois qui se cachent par ici. Il faut s'en occuper avant que la situation ne dégénère. Éliminer trois novistadors, chemin de la pénitence et falaise. On essaiera de faire ça. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi je te vends cette barrette de shit. Une affaire bien conclue. J'ai pas grand chose d'autre. On peut réparer le couteau. Je te souhaite bonne chance. On commence. Améliorer la résistance. Et là on commence à être pas mal. Elle va pas te faire tuer, hein. J'y compte pas. Allez, petite sauvegarde, juste pour sécuriser le bousin. Hop, dernier emplacement. Parfait. On est pas mal du tout. Ça m'embête qu'on ait pas un peu plus de thunes, parce que j'aurais bien voulu prendre des soins et tout ça. Mais bon, on va faire sans. Grenade aveuglante, ça c'est toujours ça. De prix. Flèche explosive, c'est très bien. Et donc on a trois novistadors à éclater. On va essayer de les trouver. Hop, on charge ça. Et c'est parti.
chemin de la pénitence. Il y a du trésor, hein. Il y en a deux. Il y en a un troisième tout au fond, mais ça, ce sera plus tard. Bonsoir. On va essayer de l'avoir par surprise, hein. Il y en a un autre de l'autre côté, faut être rapide. Hop là, ça dégage. Aïe, 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 aïe. J'aimerais bien en faire un maximum discrètement. Là, ils se suivent. Hein. C'est la queue-leu-leu des moines. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me fait des jolies feintes. L'enfoirax. Bon, c'est mort. C'est mort. C'était un petit peu complexe. Impossible! Bonjour, hein. Et voilà. Exécution. Voilà. Et ça redonne du soin, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. Alors, ça c'est fermé. Ça c'est fermé. Mais ça va devoir pouvoir s'ouvrir après parce qu'il y a des trésors derrière. La musique est épique, hein, j'adore. Ah, et ben il y a des fléchettes explosives, il faut absolument pas que je les oublie. C'est très pratique. Ah oui, voilà. x2, parfait. Forcément, on n'a pas 36 000 choix pour le chemin. J'entends que ça bave, hein, ça bave encore. Bah ouais, par là-bas, il y a un trésor, mais il n'y a pas moyen d'y aller pour le moment. Il n'y a pas moyen de se glisser, il n'y a rien du tout. Donc ça doit être pour après. Ouais, il y a sûrement moyen de faire un tour ou quoi. Ah, les cocos. Tu tenais pas ton bouclier dans le bon sens, petit poulet. Ouais, c'est ça, essaye. Essaye seulement. Hop. C'est parti. Ouais. On est pas mal. Je recharge à chaque fois parce que je sens qu'on va mettre plein d'ennemis sous le pif. Ça va être un petit peu complexe. Oui, je suis là. Ah. Oh bah tu descends. Oh, ça, c'est pas cool. T'es vraiment pas sympa. Hop. Aïe, aïe, aïe. Normalement, j'ai une flash, bang. Voilà, j'en ai même 3. Dommage qu'on peut pas... les attaquer avec le grappin de là où on est. Oh, ça se voyait en plus qu'il en avait un dedans, trop stylé. Wouah, dans les airs. Eh, ça vaut un trophée, ça, normalement. Moi, je trouve. J'ai pas pensé à appuyer sur le bouton. Je suis trop con. Allez, flashouille, merdouille. Et voilà. On récupère les pépétasses. Ça, c'est bloqué. Mais il y a un trésor derrière. Au secours! Expliquez-moi. Est-ce que je peux passer par au-dessus? Déjà, il y a des caisses. Ah, j'ai compris. Putain, on peut pas le louper celui-là. Hein. Le mec, il a renversé le pot de peinture, quoi. Il a pas fait d'effort. Ok, je vois. Et là, ça va monter, descendre et essayer de m'écrabouiller la tronche. On va devoir courir. Ouah, tout à fait, c'est ça. Ok. On est revenu au milieu. Il y a de nouveau des asticots qui viennent masticoter, justement. Ah. Il y en a d'autres, hein. Ça respire. Ah, d'où tu sors? Salaud. Hop là.
efficace. Enfin, pas trop pour le dernier. On va combiner ça, ça c'est très bien. On se soigne à fond. Mais d'où ça sort? Ouah, c'était la dernière seconde, hein. Mais il veut pas crever, lui. Merci. Bon, qui c'est qui me lançait des flèches, là? Que je lui arrache la tête. Bon, on va aller par là-bas. J'ai vu qu'il y avait un trésor. Aïe, 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 vite, vite, vite. Je sais pas du tout d'où ça me tire des flèches. Et ça commence à me casser les roubignoles. Ah, c'est de là. Oh non. La panique. Voilà, sprouch. Nom de dieu de saloperie. J'ai rien loupé? Si, j'ai complètement loupé un trésor. Demi-tour. Clairement demi-tour parce que je veux pas louper de trésor. Ouah bah là, timing parfait. Et c'est à droite. Maintenant qu'on a activé le bordel, ça va monter et descendre comme partout. Et on va pouvoir aller chercher le trésor qui est là-bas au fond. Parfait. Au moins il n'y a plus d'ennemis par ici, c'est déjà ça. Une idole corrompue, très bien. Parfait. On a tout. On peut donc continuer sur le chemin de la pénitence. On est bien. Il nous faudrait des soins encore. Hein. Ouah, c'est... Ouais, ouais, je vais pas le tenter celui-là. J'aurai eu le temps, je crois, mais... On va pas faire les petits fous. Ah, c'était nul. Voilà. Là, j'étais sûr de pas les louper. Ça m'amuse, hein, de les faire exploser comme ça. Ciao, l'artiste. Oh non, sérieux. Pas comme ça. Pas après tout ce que t'as fait. Merci. Bon, on va se soigner, hein. Rebelote. Commence à connaître. Ok, ancienne chapelle. Ah mince, j'ai plus de quoi lui faire des... Oh bah ça va, c'est réglé. J'allais dire des gros dégâts mais... Lui là-haut ? M'emmerde. Dans les escaliers, ça marche pas bien, hein, le truc du grappin. C'est dommage. Il est mouru. Oh, je t'ai vu. Ça, c'est réglé. Ah, tu fais la toupie. Hein. Mais d'où tu sors ? C'est pas croyable ça. Oh, je suis nul. Ça m'embête de plus avoir de munitions de fusil à pompe parce que c'est toujours bien efficace. Allez, c'est juste que dans les escaliers, il faut que je sois beaucoup plus près en fait. C'est noté. Tu es là toi. Oh, tu m'évites. Saligo. Ah, c'est efficace. Voilà, un petit cadeau. Fais-toi plaisir. Et on est bon. Ah mince, il y avait un explosif. Débile.
On a vraiment gâché des munitions pour rien là, mais ça va, ça me donne des grenades au moins, c'est chouette. Bonjour en... Démonios. Ah, mais tu m'énerves. En plus, c'est un énorme. Je suis à sec. Ah ouais, la panique. J'aurais pas dû faire péter le baril, débile. Oui, ça rime. Ah, j'arrive pas à bien viser. Voilà. Nom de Dieu. Allez, on va se mettre au max. Putain, mais par contre là, si on arrive sur un combat avec Krauser, je suis à poil quoi. C'est malheureux. Clairement, je vais fouiller d'abord. Eh ben, y a rien à fouiller, c'est terminé. Hop, c'est parti. Ashley. Léon. Comme vous êtes stupide, Monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler, et pourtant... Tu parles d'échouer à... C'est bien. Occupe-le encore un peu. Ok, oh. Espèce de rustre sans aucun savoir-vivre. C'était exceptionnel ce combat contre Salazar, n'empêche. Ok, ascenseur, oh. Paf. Ferraille, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que dalle. Enfin si, des balles de pistolet ou alors des flèches explosives, mais... Balles de pistolet c'est bien, je suis vide, je suis à sec. C'est la marde. J'observe. J'observe parce que je viens de penser à un truc. J'ai complètement loupé plein de brawl en fait. Il y a un trésor. Mais je vois pas où il est. Mais à mon avis il est en bas. J'ai loupé à mon avis la quête du vendeur avec les Novistador. Et aussi je viens de réaliser mais le monstre du canal. Où ça en est? Dans ton cul. Krauser s'est emparé de l'ambre. Tu continues de me décevoir. Je vais le récupérer, ne vous en faites pas. J'espère pour toi. La mission doit se dérouler comme prévu. C'est compris. Chiant, un peu. Le client est roi, comme on dit. Ouais, bah le roi des cons surtout. Ah, ça parle beaucoup ici, hein. Et il y a un trésor. Et il y a un rat. Et quick. Petite sauvegarde, histoire de sécuriser. Allez, bon, on va le mettre là. Perfect. On est pas mal, hein. Oh, ça cause. Ah, tu n'es pas mort. Ah, tu es mort. Très bien. Bon, du coup, le trésor, je l'ai vu. Il est là. Une montre à gousset, trop bien. Il y a encore, hein. Encore des alcoolos qui demandent des masses. Masse. Madala. Oui. Si tu veux. Zébulon. Ok, bah on est pas mal du tout. On a tout. Let's go. Ok, embarcadère.
qu'est-ce que ça? Merde. Ah, loupé. De peu, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a à récupérer ici? Rien. Les clés du bateau, bah voilà. Léon. Fais chier. Tu cherches quelque chose ? Très très bien, chapitre terminé, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir, et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao tout le monde, à plus !